Alors, son société qui a crasé. A fait longer doit être son monde qui a crasé business. Et nous tout qui a crasé business, mon cher. M'dalbo a dit méchanceté dans festival là, son série de artistes qui a joué monde dans public là. Niveau de méchanceté comme si m'attendé dans parole au série de monde. Moi, nous tous qui méchants dans ça. Son prise de conscience pour nous. A fait animateur crasé business. Animateur responsable, artiste responsable, jazz responsable, société de consommateurs responsable tout. Parce que l'on est chital premier qu'on l'a pensé, l'a bêtisé, l'a détruit moun, l'a ceci, et puis c'est exact de plus mon capitaine d'elle. Elles sont bonnes, donc si pas gen si tire, pas gen volé. Et puis, pour dire, animateur critique, on ne peut pas soit parler non. Mais si yon gon puissance jusqu'à ce qu'on a détruit business en jondia, c'est parce que yon moun kap tende yo, c'est parce que yon moun kap supporte yo. Donc ça, c'est un problème de société li. Gon société on n'a pas paraître les gon comportement répréhensible société a pénalisé le pas bal espace pour parler parce que personne pas attendre haïtien nous rivelon kafou pour nous font autocritique sur jan n'a fonctionné allez va voyer monter c'est un tel il est trop facile on prend il est trop facile nous fait compte fantôme nous yo pas ka identifier nous les al sous compte nous ouais des monde qui suivent nous et puis nous en bas toute la ville a jouer. Non pas casé business à tout. On a besoin de parler libre pour montrer figure. Elles ont assumé statut. On a avancé. Semaine ça. Compas festival. M'a dit une nabaye qui fait plus plaisir dans compas festival là. C'est que écriture qu'on pas festival là qu'on pas écrit c'est OMPAS ma consigne j'aime faire remarque ça les kembe autographe original qu'on pas Jean-Baptiste écrit à fell et c'est qu'on pas qui fait me plaisir c'est que puis y en a plus gros événement pour ne pas dire plus gros événement qui fait autour de compas direct les kembe au moins écriture normal là, il pas tomber sur les paroles de écrit qu'on parle en créole en anglais en français ou en espagnol. L'écrit j'en mettre causer à tes écrits là. Bah c'est ça son point positif pour moi personnellement. Même l'aime pas quoi yo faire parce que yo connaît pour yo faire non, yo juste faire comme ça. Et mais son belle bagaille. Est-ce que nous parle parler de tout ça qui a passé depuis jeudi soir? On nous dit rapidement que là, nous entrons dans le festival 18 mai, là, tout causé. On essaye pas de poser une question pendant que je parle, je vais du fil passé. On nous dit que y a une belle bagaille qui est faite pendant toute la semaine. Une belle bagaille pour la musique haïtienne, une belle bagaille pour les haïtiens. Non seulement haïtiens envahissent pratiquement la Floride. Parce qu'il y en a qui descendent Orlando, il y en a qui descendent West Palm, il y en a qui descendent Miami, avec Fort Lauderdale. Il y en a tout partout dans la zone Floride là, par rapport à week-end 18 mai. Ça. Il y a femme tout partout. Il y a pile qui vini, il vient au rendez-vous presque familial, il vient au rendez-vous pour rencontrer des amis. Il y a pile monde qui vini, qui parle en balle, qui parle en ceci, mais qui rencontre, qui mange ensemble, qui fait ensemble. Et son bel bagage, il y a pile. L'autre bagaille positif pendant toute semaine ça c'est que en pile côté drapeau haïtien était présent. Haïtien pratiquement envahi. Ça veut dire toute bagaille difficile en termes de circulation en dans Miami ou sorti le point A ou pas le point B qu'on prend 10 minutes qui prend 1 heure de temps. Embouteillage tout partout, blocus tête chargé. Haïtien take over la Floride. Et belle bagaille. Et j'aime dire là yo imposé de la peau bleu et rouge, à tout partout, si mesdames, à porter des sandes bleu et rouge, petit bout de short bleu et rouge, belle bagaille. Dans ce sens. L'autre bagaille qui est positif, tout, c'est que le pifo area gain activité. Et ça que belle là, c'est que pifo activité, yo, rale moun, batal dans tout, genoua peut-être pas de activité, que te pété plafond comme si te, de 3000 moun gapé de yo. C'est un peu normal à mon avis, compte tenu de la quantité d'activité. Mais son bel bagage quand même que entre jeudi dernier, rivé à Soya, ça fait
4 jours ou 5 jours, 4 jours c'est ça, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 5 jours. Dans 5 jours, musique haïtienne était à l'affiche plus que 12 à 13 fois. Nous va compter festival, là ça n'a pas parlé là, n'a parlé de bal, de soirée dansante. L'intéressant pour nous que plus fort grand cylindre de musique haïtienne était là tout, gros coup petit. Et même ceux qui n'étaient pas concernés par le festival, ils jouaient quand même week-end. C'est ainsi depuis jeudi soir, l'école l'a lagué. Là, Hollywood, la même soir, T-Vice a joué. Ça a dit jeudi soir seulement, tu as gagné pour 3 ou 4 activités. La même soir, T-Vice a joué. Et la même soir, tu as gagné Havana Guitar Night qui t'a fait une belle activité. Moi-même, j'étais dans Hollywood live là, avec l'équipe Beijin Cadillac. C'est non pas équipe Beijing Cadillac, peut-être pas là non, avec équipe Osval. Et Tony Mix. Soirée à te full Hollywood était impossible. Naturellement club Hollywood là son club qui ont capacité peut-être 500 600 moun. Mais elle était full, belle fête. La même soirée à Tivais font fête qui était réussi tout. Et information bombe que Havana Guitar Night là tout c'est une belle fête, une fête de retrouvailles. Le vendredi, musique pral, tabou combo pral, pété flat plafond, Little Miami. En pile moun, et yo di moun yo fêté sérieusement. Musique, l'en blague comme ça, va son bel week-end. On yo pété plafond, bon bagay. La même soir, ça, gen classe qui tape joué tout. Avec Beijing Akadilak, fois ça, m'pas trompé, non? M'tien en distrait, oui, l'en bas, ça. Classe tape joué. Ah, qui est-ce là, ça joue? Tête moi là, non? Et dans la soirée. En la soirée, je me blie. Je me tellement la soirée, je mélange la tête. Et classe table, j'ai un très bel club. Et ça ne l'a pas totalement rempli, mais c'est une belle fête. Et la même soirée, tu as tout, la M2, tu as gagné Osval, tu as gagné New Look, tu as gagné un paquet d'activités. Encore une fois, réussi. Ok, le samedi soir. Non, c'est ça, non, c'est le vendredi soir. En tout cas, tu as une vibe. Mais Gina a dit la fois ça, monsieur Denis. Avec Gabel. Belle fête. Ça, c'était dans la zone West Palm, si je ne me suis pas trompé. Le samedi soir après le festival, tu as une Zafem avec Osval M2. Belle fête. Mais pas gagné une fête comme si rempli, pété plafond. Pas gagné ça. Mais toute fête, c'est belle fête. Et puis, le dimanche, on va avoir musique classe. La M tout, belle fête. Il n'est pas très rempli, mais à la rigueur, c'est normal parce que et le lendemain de toute activité, ça, et nous connaissons que zone M tout, on a monde plein pour parking, pour ceci, pour l'autre bord. Donc, c'est une belle fête. Tout. Et puis, à ce là, hier soir, la Révolution Live te gagne New Look. Encore une fois, belle fête. Et puis, à ce à la équipe Cap Voué avec Disciple. Disciple qui revient d'une soirée de triomphe au Canada. Et puis, la même lundi soir, ça, la Bouillon Night, la formation classe sera à Hollywood Live. Donc lundi soir, ça a causé tout. Donc si nous regardons bien là, on nous presque 10 à 12 soirées. Il y a un basse, il y a un blié. Parce que tu as un Wuchel, Alan Cave et tout. Donc toute fête honnête est belle. Ça me pense que c'est un indice intéressant pour la musique haïtienne. Bien que je pense que tout est cafouloui, compte tenu de volume haïtien qui est déplacé via les États-Unis. Il faut que promoteur pose cette question pour qu'il y ait autant de Haïtiens qui allaient dans Miami, à l'homme, aux États-Unis, mais qui n'est pas intéressé à l'emballe, à l'enfait. Il faut chercher à comprendre pour qui ça. Moi-même, moi, j'ai des éléments de réponse, je ne préfère pas Bayo là. On a parlé de ça en l'autre. Là. Mais pour quantité Haïtiens qui fait déplacement vin en Floride, toute Bayo est supposé à péter plafond. Lorsqu'on tenu compte de densité population haïtienne dans Floride là, et puis quand c'était mon qui rentrait, nous t'as supposé qu'il y a des soirées, mon a campé des yol en tout, pas 2000, pas 3000. Donc, ou bien on a réussi ton côté,
Mais en même temps, tu as une ambition, tu as un rêve, ou tu es supposé dire, les capis bon que j'en lié. Quand il y a un oualé dans le festival, là. Pratiquement, on avait dit que le festival là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, commencer avec les points que notre pensée qui est négatif dans le festival là. Honnêtement, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais moi, très à l'aise, m'avait dit sur ces 9 ou 10 derniers festivals que moi participer la donne. M'estimer festival ça, c'est lui même qui était plus bon pour moi-même. La privé sous ça tout à l'heure parce que ça c'est la bonne partie, peut-être une trop pressée pour me dire. Les points qui selon moi-même négatifs, c'est on va pas dire c'est des détails, c'est pas des détails, mais c'est peut-être pour même Philippe Saint-Louis qui a toujours elle comme ça par rapport à combat qui m'a mené. Une fois de plus, me déplorer que le festival ça qui a fait 18 mai Joulan Mot Simano, date enterrement de mon Jean-Baptiste, nous trouvons que son manque de classe carrément que l'organisateur n'a pas de pensée quand même pour. Il a mettre même une photo de mon Jean-Baptiste dans le fond, hein? Ou bien une photo de Simano, comme deux necks qui voulaient dire le 18 mai à date là. Je me fais tout un plaidoyer pour ça pendant ce temps que je n'ai pas de coûter tout parce que j'aime ça de Zulia. Peut-être le fait que c'est moi qui dis qu'il a choisi pour ne pas appliquer. Mais il n'a pas foutu de dire que ça ne me dit pas logique. Donc, je trouve que qu'on manque de dimension quand même. Là, comme je me dis, date ça arrive, minimum ça, pour avoir respect à mon qui permet de faire là, qui est le monde Baptiste. Et puis, il n'est pas normal tout que l'occasion soit gagnée pour dire deux mots pour Timano. Et puis, dans toute photo que tu as passé là, même si photo n'a pas été passée sur l'écran pour une minute pour toi, pour dire merci. Et puis pour faire l'éducation jeune qui est devant vous, parce que vous avez cette mission également. Là, il dit qu'il faut que nous arrivions à l'autre dimension, là, ce n'est pas comme nous faisons seulement. Il faut savoir vous comporter parfois comme des philanthropes. Comme deux mondes qui font des actions qui ne sont pas intéressées. Juste pour le souci d'éduquer. Et pour le souci de montrer au moins que nous respectons certaines choses. Donc j'ai trouvé ça dommage. Pour moi-même, c'est peut-être un bagage qui manquait là, pas fait ça. Parce que c'est quoi, c'est seul nous-mêmes haïtiens qui a réagi comme ça. Gros problème de dimension. L'autre point négatif que je trouvais, festival là, c'est trop jazz, comme d'habitude. Trop artiste, trop jazz. Elle a dit que 26 ans plus tard, ça se compte sur le bout des doigts, à la 26e édition, combien de fois que l'organisateur a réussi à faire un festival, quand il a respecté à 100% sa clan line-up là, ou bien que le festival n'a pas fini l'an couru. Ou jazz qui n'a pas été joué toute ça, Tevin Feya, ou bien de jazz qui l'affiche là, mais qui n'a pas joué. Donc une fois de plus, nous revivons même ça encore. Gen n'importe 3 ou 4 artistes qui étaient là, pas sur l'identité, mais qui étaient là, line-up là, qui pas joué. Par exemple, Mbakwe Bello joué. Et puis Woody Woodboy quand même, c'est pas n'importe qui artiste quand même. Woody Woodboy pas réussi à jouer. Japot pas réussi à jouer tout. C'est gen l'autre Nadim. Tous les trois mouns à Okina Abdila, yo gon importance dans le secteur musique là. Là on dit Bello ne va pas parler de n'importe qui artiste. Là on dit Japot n'a pas parlé d'une jeune formation musicale qui pratiquement sous bon route. On a parlé quand même de Japot. Et puis là on a dit Woody Woodboy. On va parler peut-être une de l'artiste la santé qui a catégorisé world music. Qui est plus populaire, qui est plus fort. Et qui tape forcément pour ton plus dans le festival. Ça. Ok, comme ça, même dit Bello te joué. Ok, merci, Wesley, c'est lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais si Bello te joué, vous mettez le lag et Bello dans le soleil chaud. Ah, pas normal, mon cher.
a pas normal. Bon, me vexer, je dis là. Pas qu'à blaguer Bélo, l'on bagaille dans 2h de l'après-midi. Pas relève, pas mettre le jeu. Vous pas besoin d'inviter. Si vous pas qu'à mettre Bélo, l'on place pour tout le monde, elle pas invité. Allons, artiste qui fait le monde, qui fait de grands festivals, et puis là, le festival haïtien, on a plagué la 2h, 3h de l'après-midi. Ça n'a pas un sens. Donc, ça, c'est quatrième bagaille qui m'a d'accord. L'autre bagaille qui m'a pas d'accord, c'est qu'il y a eu tout le branle-bas, toute publicité qui fait autour de festival ça, à partir de musique qui t'a fêté 37 ans, c'est pas 37, du 37 ans, jazz qui a fêté 37 ans, qui est toute une histoire. N'a pas dit organisateur, merci que vous avez invité musique. Nous trouvons son bel bagaille. Lui montrer que gon dépassement de soi pour inviter musique parce que musique l'ont invité leur activité comme ça son symbole qu'on invite et tant qu'on t'a invité Tabou Combo Magnum Ben c'est un symbole c'est de formation qui pas vraiment en activité mais qui ont histoire qui veut dire qui choye pour musique là donc l'ont invité musique son belle bagaille aïe bobo pour ça fait balle avec musique là aime tout avec classe. Là encore, son l'autre choix qui voulait dire ça, le dit. Parce que par rapport à ce qui se passe actuellement, l'envie nous, en termes de consommateurs, on balle musique classe, nous connaissons son balle qui tape difficilement rempli. Vous comprenez? Sur ton classe qui n'a pas de nouveau album, tout ça, qui ont des gens légèrement, qui ont des baisses quand même malgré tout. Ok? Donc, je trouvais que, à la rigueur, soirée musique. Classe là, pour moi, son soirée, vous êtes capable de dire qu'il y a un petit côté idéaliste. Et m'applaudis, n'est-ce quand même, pour faire choix ça, vous avez dit que c'est un qu'on qui a envie de faire une soirée de prestige pour faire une soirée autour de la bonne musique. Aïe Bobo pour toute équipe, qu'on pas festival là, qui fait choix ça. Mais parallèlement, je dis musique, c'est invité d'honneur dans le festival. Musique, supposé jouer vers 8h30, 9h, la prime time. Pas qu'à la gué musique, la soleil chaud. Nous faisons pas ça trop plein à prendre de anciens de Magnum de ceci nous pas qu'à mettre au prime time c'est comme si nous d'abord là son commerce lié et gon l'heure comme si c'est les tout le monde là et puis c'est les abonnés de jazz qui piche il pas qu'à comme ça il pas qu'à comme ça que nous fait festival là avec moins jazz que nous fait avec moins artistes c'est qu'on y a le festival là nous décidons d'honorer un ancien ou bien jazz qui a fêté anniversaire tant qu'on après Tropicana qui a fêté toute année ça et pour ou venir la guette Tropicana à 3h à 4h à 5h pas qu'a fait ça musique supposé jouer vers 8h30 9h parce que c'est lui ou honoré c'est invité d'honneur que lui faut pas jouer avec les mots pas qu'a jazz pas qu'a invité d'honneur la gueule l'on l'est côté pas qu'il y a trop de monde ouais il doit faire ça. Musique abjou même fâché. Jazz abjou bien, jazz abjou belle. Mais abjou me fâché, man. Parce que là, mettez ça en tête. Depuis là que jazz avait 3h, 4h, 4h30, Jean, festival sa formaté, son jazz a blié performance hein, bien vite. Même là, on dirait que la moun bab gen réflexe pour garder 3h30, 4h. Parce que Jean nous formaté festival là, c'est que comme c'est Mdadou, tout le monde connaît, il va commencer, ouais. Ça n'aurait les bagages ici au lieu là à partir de 8h du soir. Mais c'est donc pour faire éducation, mon dieu, monsieur. Donc, si nous faisons un festival, monsieur, comment ce festival là à 4h, 5h? Ou bien si nous faisons là 2h, faire de l'autre activité, mon vin manger, mon exposition peinture, exposition bagaille ou créer l'autre animation en dedans, parce que son festival, ou fait, ce n'est pas essentiellement concert de musique. Et puis, bon, activité musicale, vous commencez vers 6h du soir, vous finissez à 11h du soir. Ou faire avec 10 jazz, 7 jazz, yo gen temps pour yo jouer. Ou pas prendre de jazz sérieux qui gen tout parcours ça yo pour y a courir donc 10 minutes, 15 minutes courir connecter descendre. Il faut arrêter de faire ça. Donc c'est pas premier monde qui baille conseil ça. Moi m'ta suggérer nèg yo faire conseil avec moins jazz. Et puis m'a tout dit public là tout, qu'on pas festival sont bien privé lié. Mais c'est vrai que conseil de activité qu'on fait avec le temps par rapport à l'importance yo vinn gen la société a yo ka vinn gon statut de patrimoine mais tout autant le gen mettre son commerce en lié dans pays capitaliste il a la liberté de ses choix li choisi le pa mettre intel c'est doual
Ou si mais un tel doué là, elle fait festival pas. Elle fait concert pas. Mais il faut que nèg suspende prendre la piège ça comme si pour ça mon a dit et puis au fond festival yo met 20 moun, 30 moun et puis gon paquet moun qui pas prêt à jouer. Et puis finalement ils font bail caricatural et puis ça ne mettez sous flyers ça, vous n'êtes pas en mesure de respecter les engagements. Parce que là on font flyers, on fait publicité avec, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de ce public. T'es que doit gagne moun qui paye festival là juste pour Woody Woodboy. OK? Donc si moun ça mande remboursement ou pas ka langou mavel. M connaissais pas fort tout. Mais quelque part c'est fort tout parce que pas ka récidiver même bagay la chaque année. Ou erreur répété par ou erreur encore son choix li. Par rapport à mentalité qui gagne, tu déjà connais ça pas ça tu parles toute une histoire pour nous mettre jazz une devant l'autre toute bagay. Il y a de jazz qui jouait comme Zimdadjo, un petit Jean Bonheur qui fâché, par exemple, T-Vice, par un meilleur, il mette le joueur. Et il y a tout ce prétexte à Yoba qui fait le volume de carnaval, puis il y a des bouts de tout jazz qui vient de jouer derrière. L'autre de l'explication comme ça, l'ontil est triste. Elles sont bonnes? L'ontil est triste. Donc, pas qu'il y a toujours une insatisfaction à qui il y a de jazz, à qui il y a pas de jazz. C'est nous-mêmes qui pouvons créer ça. Si nous créons un événement, quand nous avons un gros jazz qui ouvre un festival, nous avons pris l'habitude de venir bonheur dans le festival là. Parce que nous connaissons ce qui arrive, que la classe ouvre un festival là. Nous connaissons ce qui arrive, que New Look ouvre un festival là. Mais nous ne pouvons pas créer le même cliché comme si les meilleurs pour la fin. Ça n'a pas sens. Donc tout ça que jouer devant vous, c'est Sandrine. Donc nous choisissons les gens qui jouer derrière vous en fonction de l'importance. Ça n'a aucun sens. Faut-il bac réfléchir bien pour dire que c'est le bon sens. C'est le bon sens. Et puis, garder le festival qui a fait de l'autre côté. Et pour après, il y a de grands superstars qui commencent à jouer dans le festival à 2h, 3h de l'après-midi. Mais parce que le public là éduqué de telle façon pour le connaître, qu'il a commencé à 3h pour le 3h. C'est un phénomène de balle là. Jazz, on n'est pas être dans balle à 1h30, 2h du matin, 3h du matin. Après, ça plein, il n'y a pas de temps de jazz, il n'y a pas de décision, pas de date. Il faut que nous-mêmes, en tant que promoteurs, fassions un café éducation au public là. Et pas qu'un public là qui a mené nous, monsieur. Donc ça, c'est ça, mon conseil. Fais festival là avec Moïse Jazz. Abtou, il y a des gens qui ont plein. Ce n'est pas l'école des fans qui ont fait. Ça veut dire que tout le monde va obliger là. Et peut-être tout que la permet tout. Il y a une certaine diversité dans le festival là. Année sa tel jazz est là, année prochaine n'est pas là, son autre jazz qui est là. Tout le cylindre va obliger là. Et souvent, année sa prend Woody Woodboy, année prochaine, on prend Kenny, année sa prend classe, on va prendre New Look, année prochaine, on prend New Look, ou pas prendre classe, ou faire deux entrées sorties. Et pour faire un festival 8, 9, 10 moun, 10 jazz peut-être. Et puis, moun yo bien fêté. Et puis, chaque jazz gen capable d'exprimer yo musicalement, la 30 minutes, la 40 minutes, sans courir, sans pression. On a remarqué que samedi là, c'est ça seulement moi trouvé. Comme point noir dans le festival. Ça. Généralement, on a gagné plus de bagages pour plaire. Je te dis tantôt que dans tout festival malé sur les 10 dernières années, moi-même estime le festival ça, c'est un plus bel festival que malé. Et ceci pour diverses raisons. Je pense que l'organisation festival là font bon travail. Pas de ghetto plein l'entrée, pas de ghetto plein la sortie. Ça, c'est un premier point, organisation. Aspect ça. Deuxièmement, moi, estime que gestion sous stage n'est pas mauvais. Il y a eu certes quelques moments de flottement, quelques hésitations, mais il n'y a pas de pile. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps mort, attention, il y en a un dans l'autre, jusqu'à ce que ça dégénère un tout petit peu à la fin du festival, comme cela se fait d'habitude. Mais on est capable de dire que tu as une bonne gestion. Dans le backstage, là, même les parties de aménagement de loge pour chaque grenatiste, même si le backstage est clean, au contraire, je trouve intéressant parce que généralement, le backstage, on est viré derrière eux et puis il y a un paquet de monde qui est dans le backstage, parce que ça vient régler. Donc la situation était assez fluide derrière le backstage, avec quand même de bons aménagements qui étaient faits. Pour différentes presses qui t'a pour transmettre en direct ou bien qui t'a fait des interviews. En ce sens, on peut parler également de au bon travail. Monsieur Alcindor, comme d'habitude, comme responsable stage manager, il a fait du bon travail.
sont des qui ont pile expérience dans le domaine là et une fois de plus il s'est illustré en ce sens. Stage là son stage qui est impressionnant. Son bel stage, son stage qui est un standard tout grand concert qu'a fait aux États-Unis. Un superbe stage avec un superbe écran géant, deux panels et puis avec quand même deux monde qui tape manœuvré qui pas mauvais du tout. Naturellement, là nous gain deux trois haïtiens tant que Abdias qui vient gérer fond d'écran yo, nous joignent de meilleur travail. C'est pas parce que nèg yo pas qu'on ça y a fait non, c'est simplement parce que blanc cap géré yo, yo pas qu'on musique haïtienne là, yo pas qu'on compare. Donc gon synchronisation yo pas qu'a fait entre musique là, entre mouvement avec fond d'écran. Donc ça veut dire que plus fort groupe musique qui t'a joué côté que c'est blanc t'a manœuvré, me trouver que ça qu'a passé derrière tête ou cabel mais pas gagné de très artistique, on capable dire. Il a peut-être fait des effets avec artiste qui a chanté sous scène là et puis il est très belle, on va regarder mais il pas vle dire rien. Modèle là j'ai ça, moi c'est équipe là dépenser là. Il était capable intéressant c'est le connecteur qu'on a Jazz, Maronel pour petit tant que Jojo, les connecteurs qu'on Smithy, de nèg qui capable gérer fond d'écran. Eh bien prendre exao et puis nèg qu'on musique toute jazz yo. Et peut-être que Nagyo Teka font un travail qui est beaucoup plus intéressant sur le plan artistique. Mais ça, c'est un bémol que je mettais comme Nagyo Teka chez la petite bête. Mais c'est un superbe écran avec une superbe scène. Avec un éclairage quasi parfait. Par contre, si nous voyons ça, même Baba nous menti, c'était déjà belle, c'était déjà impressionnant. Fait positif toujours. Un coup de chapeau pour Jojo, de façon toute particulière, qui t'a assuré l'animation festival là. Je pense que M. te font un good job. M. va aller trop, M. pas 10, M. fait public à amuser lui. Et M. passe message là, lui gérer confusion, côté de confusion yo. Et donc, association Jojo Kakoua, je trouve le intéressant. Bon, Tonton Bichat enfin, bon, c'est de la comédie donc. Moi-même, personnellement, je me comprends une comédie à la présentation de Jazz Gabjoué. OK? Et point positif. L'autre point positif qu'on y a dans le festival, ça, c'est que moi, rarement, ouais. Et je ne sais pas si c'est facile, parce que je me toujours plaint pour ça. Je me dis que Jazz n'est pas la hauteur du festival. Là me dit ça on ne pas comprendre c'est que l'on nèg dépenser toute l'argent ça pour le fond stand là niveau stand ça parce que stand ça qui était hébergé comme pas festival là et qui t'a accueilli événement ça stand lumière son le niveau que le dit là d'après moi au moins pour pipiton $200,000 que dépenser donc l'on nèg dépenser. Bon, m'ba ka dit pour pipiti même supposer qu'on $100,000 effraction dépenser pour stand ça pour lumière ça, pour sonorisation ça. Je suppose que gros l'argent dépensé. Donc là on a dépensé toute comme ça et puis on a grandi monter sous stage avec un petit bout de maillot. On vient faire macaque. L'autre si j'ai montré puis tu te font une plateforme en bois pour bon jeu musique. Et comme ça mouel. Donc nous dit que assez souvent moi jazz nous yo par la hauteur sur les deux événements ça ou bien de décor ça. Année ça c'est une année que j'ai l'impression que les gars prennent la plus au sérieux. Tout jazz net t'est préparé au show. C'est évident que gain de show puis bon qu'on l'autre. C'est évident gain de show comme d'habitude contingent très caricatural. Un peu du n'importe quoi dans une certaine mesure. Mais dans l'ensemble, tout jazz ni ça qui t'est vraiment convaincu ni ça qui t'est moins convaincu. Ils avaient quelque chose en tête en termes de projet et ils étaient voulés peut-être fournir spectacle. Naturellement, moi-même, je pense que tout le monde va avoir un spectacle là, essentiellement à écran. Parce que c'est comme ça, nous avons des bombes à la mode, nous tout à fait. Parce qu'un spectacle qui a fait, ce n'est pas écran qui est l'élément déterminant, capable de gagner des corps, capable de faire une série de bagailles. Tout. Mais on sent que tout le monde a essayé, en majorité en tout cas, surtout les gros cylindres, fait de bagaille qui est en cohésion, qui est en synchronisation avec écran.
Puis Fonek vient avec des danseurs, des danseuses, je vais essayer de faire chorégraphie. Je suis capable de questionner une série de choix au niveau de couleur que vous choisissez. Parce que je me dis que lorsqu'on a une grosse scène comme ça, côté que il y a toute la lumière, ça, là, on a monté un stage pour habiller tout de noir. Et le noir, ou bien le blanc, tout simplement, il n'y a pas vraiment des tenues de scène. Elles sont bonnes. Donc, mais ça, j'aime de lire son considération purement artistique, c'est bon faute. Qui ça m'a dit encore la sonorisation. On peut également parler de bon travail de Jean-Raymond Lecomte qui s'occupait de la sonorisation. Et puis, il y a deux autres DJ qui viennent faire, deux autres ingénieurs qui viennent mixer une série de jazz, tant que Guy Beauville qui s'occupait de la partition de musique. Et Guy Beauville, tu as un très bon travail. En termes de son, dans l'ensemble, nous avons dit que tu as un good job qui fait la sonorisation en tout. En pile, bon son, tu as tombé. Et puis, jazz, je te prends là très au sérieux. Kounia, on nous arrive rapidement sous regard d'ensemble. Je vais faire chaque jazz séparément. Parce que moi, j'estime que tout jazz dégagé. Je vais dire que, personnellement, dans l'ensemble de la prestation de toutes les formations musicales, son seule formation qui, peut-être qu'arrive au côté, il faut dire waouh. Deux formations, comme je dis, waouh, ou on bagaille. Mais séparément, toutes les désirs font bagaille. On va aller rapidement. Moi-même, je pratiquement parlais à partir de musique. Donc, d'après, excusez-moi, je ne vais pas parler de ça qui s'est passé avant. Musique, j'aime Zulia, l'aime paraître moi, musique, guette à la gueule, ton tige à étonner. Il n'y a pas grand chose à dire de musique. Le public qui était là, pour te en pile, était très satisfait de prestation musique. Au bon son de Guy Beauville, jazz a joué bien, jazz a arrêté lui-même. Li joué des titres à succès, tant que Be My Love, si je ne me trompe pas, tant que Fariné. Avec Emmanuel Oba, toujours aussi précis, la performance vocale. Li. Et puis Vardy Farel, qui te font un good job tout, la Fariné. Donc, Jazab joué bien, nous avons également, une fois de plus, apprécié, souvelé, et utilité ou bassiste, tant que Yva Bell, la performance musique. Là. Mais on gaz solide, si vous sous tambour, bande a bien joué. Public la content. En pile nostalgique, ouvert que yo, yo content. Mais je pense que moment musique là, t'es qu'à pi intense, on en a parlé déjà. On ne va pas y revenir. Si gado moun moun pas songé pendant ma parler à Nadim, ok? Avec son exercice de mémoire, m'a fait là. La tout problème technique, m'a préparé par les originales, m'a écrit yo, mais la tout problème technique, m'a géré là, m'a pas gétan écrit yo. Donc là, m'a fait un exercice de mémoire avec nous. On va aller dans Mood de Sanders. Pas grand chose à dire également, sinon que pour une première fois, Mood prouvait que son formation qui a avenir et Sanders prouvait que le cap prend responsabilité en tant que principal ben leader comme chanteur. Naturellement, petit conseil que m'kabay Sanders, border reprendre keyboard, reprendre guitare. Premièrement, parce que son bon guitariste. Deuxièmement, tout même stratégiquement pendant la très utile, parce que deux chanteurs qui chantent Kébé guitare là, mais nous pas en pile. Donc, l'on a fait ça, pas qu'à perdre, parce que tu crées ton identité comme ça. Nous pas qu'à quitter tout, faire aller la rivière, mais nous n'en cafou ça, parce que c'est aller la rivière qui mène la cafou ça. L'elfin qui, Gazman fin quitter, et puis déposer qui bode lui, et puis qui décide de la chanter en lead. Nous avons dit à Alisa personnellement comme conseil, moi je suis de taper ton keyboard sous Stedja de temps en temps de jouer pour son bagage intérêt privé public là de keyboardiste là tout. Bon, c'est ainsi Roberto vient faire choix ça, Richard Cavé. Donc tout n'a qui ont un instrument qui était pas dit excel mais était bon là-dedans, tout n'a déposé et puis tout n'a comme si transporté essentiellement comme château. Bon, ça c'est des détails, ça. Moi-même, son conseil que m'baille Sanders,
me connais by Roberto même conseil là, me dit Roberto moi j'ai trop groove men sur guitare, pas qu'à laguer ça. Et c'est même j'aime dire que Harry La Rivière qui bot new look là, les gon identité, c'est identité Harry La Rivière là, d'ailleurs c'est Harry généralement que je qui bot dans studio. Donc mon cas comprendre qu'on l'autre qui bot dis bokoto, mais de temps en temps, il y a de petits bars où qu'a passé, me trouver qui tape intéressant et même là, les on fait spectacle, tant qu'au spectacle ça là. Son spectacle li, ou même qui gon ki bot devant ou a déposé solo devant public qui après l'air. Donc comme je le disais pour une première, me trouvé que mood bien passé. Mba yo joue essentiellement de musique qui sont album yo. Sanders solo bien baraqué, monsieur gon fait la batte qu'elle laisse à dans la manger faire. Mais là j'ai l'estomac tout. Hein. Et monsieur gon bel jazz, monsieur gon batteur que me trouvé et Marvins, bon grand batteur. Donc son bel jazz. Je ne vais pas élaborer trop sur lui, mais sinon que James Olia, pour une première, je pense qu'ils ont assuré. Fin de citation, je ne plus mal dit. Sorti là, Sanders, je suis tombé dans Richel Guillaume. Richel Guillaume va prendre forme vase là, c'est comme Samuel. Il va prendre forme vase là, il va transformer m'a connait en gazman au féminin ou Gracia Delva au féminin li rentré dans la cour compa avec tout ce que ça comporte dans type de événement ça ça veut dire pile lever de main en l'air en pile énergie en pile 10 en pile date donc li performe vase là mais naturellement moi-même c'est pas Richel ça me remet personnellement donc même chaque fois moi Richel qui tombait là lever de main en l'air me dit c'est triste personnellement comme ça moi et d'ailleurs son baim tout dit Richel tout il te peut-être ba mon explication forme te faire bon par contre c'est business qu'a fait mais moi même m'a parlé musique les Richel entre la courant prend forme vase là moi même en tant que consommateur gon intérêt me bagay la donne parce que me pense nous tout pas obligé faire même bagay là et là ça me pense que artiste là qui pour faire éducation publique là c'est nous même qui ramener public là là où dimension côté yo évaluer performance artiste là au concert à partir de lever des mains en l'air et les amoui parce que c'est ça critère là jazz qui crase en bas ou bien que des monde dit festival oui lié et festival j'aurai là son festival concert pas carnaval lié son festival concert regardez à droite nous regardez à gauche nous n'a regardé quantité de concerts qu'a fait à travers le monde qui pas forcément la camper sous chaise les amoui naturellement que doit un concert ou concert relé sous chaise gèlè amoui on jazz qui doit faire choix stratégique ça tout l'elvin la concert c'est ça l'vin fait mais tout le monde pas obligé faire et nous même public et nous même la presse nous pas qu'à évaluer performance jazz dans concert à partir de monde qui fait mon relé amoui relé demé en l'air parce que c'est pas tout jazz qui formaté pour type de exercice ça donc si nous finis comme ça j'en ai pensé à là là n'a fait festival prend Tivaise prend Jacout prend Chaba avec l'équipe. Après ça, après ton mix, et puis, pour un rabot net, on a besoin d'inviter de jazz, de classe, de New Look, de Zafem, on a besoin d'inviter au Lambaïsa. Par rapport à gens, nous pensons que le jazz n'est pas formaté pour ça. Il n'est pas formaté pour ça. On a dit que Richel prend forme vase là, Richel mettez en bien Sanda. Elle était belle Jousen avec sa robe rouge, moi qui parle en pile fait par tenue rouge ça, me trouvais très sexy, très intéressant et puis qui pas indécent. Elle a du tonus, il y a une présence enragée, il y a une maturité enragée parce que les voiles parti. Ou senti comme si dans son camion qui l'a à toute vitesse. Son femme qui a une maturité, qui a une présence scénique et de plus en plus impressionnant. Un bel jazz, un bel backup band qui t'a joué avec elle comme d'habitude donc et Richel avec des danseuses et lié s'est fait de chorégraphie tout court avec eux. Donc cela s'est bien passé pour Richel mais c'était pas impressionnant à proprement parler. Et une belle ambiance mais c'était pas impressionnant. Je pensais que Richel a fait mieux que ça et je pensais que les Richel viennent dans type de activité ça moi m'ta suggéré que le fait la différence. Que le réconcilier mon yo avec musique justement. Moi même vinn là, bam vinn vann vocal. On soit Richel qui tape son scène, qui chante, qui prend deux notes, c'est ça. Ou crasé en dedans. Moi était quoi crasé en dedans.
Si on pas tomber là, levez téléphone, mettez le téléphone, éteignez le téléphone. Non, nous tous pas obligés de faire même bagaille là, monsieur. Ok. Quand il a sorti la Wuchel, on va tomber l'anti-vice. L'anti-vice monte sous scène, température, pas que la changer. Même force de frappe là. Ouais, jazz a format ton Jean. Naturellement, j'ai remarqué que t'as fait son compte jazz là bientôt. Les tivais la game, baba nous menti, son a changé tout. Jazz là sonne un contracteur. Comme si jazz a gagné en dedans. Jazz a gagné nanan, jazz a gagné nom. Tivais commence avec peut-être une sorte de montage que le fait avec plusieurs musiques. Donc depuis le montage là, Tivaï s'est commencé à lui mettre du feu. Malheureusement, je trouvais que du feu n'a pas fait assez longtemps. Très vite, il est rentré dans le format pal là. C'est comme si son jazz qui montre une plus grosse âme dans le type d'événement, ça, ce carnaval là. Donc, il fait ça l'habitué faire. Ça veut dire que Tivaï n'a pas fait rien que le pas habitué faire. À part que rentrer sur scène de Tivaï, ça a été belle, je très aimé synchronisation. Fond d'écran avec nèg cap défendre descendre hélicoptère jaune et puis pendant le fini et puis c'est nèg qui monte sous scène là avec même tenue, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'était une belle entrée en matière de T-Vice. Mais après ça, qui s'en balle sous T-Vice? T-Vice parle les mondes différents dedans, carnaval à jouer, hélicoptère une fois de plus qu'une vingtaine d'années plus tard, montre que le concert avait toute fraîcheur lui. Ça veut dire que sur les 20 derniers festivals, T-Vice pas jamais pas joué hélicoptère. Donc, plus d'une vingtaine d'années, hélicoptère ça, toujours aussi performant que d'habitude. Ou capable de dire que, n'est-ce que fatigué, il fait même pas là depuis 20 ans. C'est vrai que le fatigué, moi-même, je me trouve le fatigué, mais ou pas qu'à nier tout que chaque fois qu'il y aura l'hélicoptère, il y a un résultat à chercher. Donc, il est clair pour tout le monde que si il y a une récompense pour animation, pour mettre du feu, T-Vice devant tout le monde. Pas de personne qui même rapproché de du feu T-Vice de lumière. Il y a pile de monde qui lui met du feu tout, oui. Mais du feu T-Vice là, le carnaval là, l'hélicoptère, là, toute l'autre partie des frais de cash de ceci, son bail incandescent, son bail chaud ou du feu le dé. C'est ça, donc l'euphorie collective. Passage T-Vice là, c'était l'euphorie collective, pratiquement dans tout espace là, et T-Vice a été la seule formation musicale à avoir provoqué ce type de réaction. Mais m'abdino que c'est normal tout, parce que c'est carnaval là pour jouer. Nous pas qu'à mettre la tête nous au monde qui pas jouer carnaval, en termes d'euphorie, pas jouer une même réaction avec au monde qui a joué carnaval. C'est pour ça m'abdino, faut nous choisir critères pour nous faire pronostic. Il faut que les critères soient clairement définis. On est capable de jouer pas normal, pas capable de faire même réaction avec on est capable de jouer carnaval, encore plus de carnaval à succès. C'est clair. Donc tu vas écraser en dedans. Moi-même, personnellement, en tant que consommateur, je suis toujours plus content si T-Vice était fini, j'ai envie de commencer. Parce que je trouvais que la musique, li yo, que le fait très peu de temps là-dedans, l'élagé-là, il était déjà en frénésie. Il a estimé le pas suffisant de mettre du feu. Ou bien, pour nous reprendre l'explication, que vous voulez le mot, allez mettre des bouts, là, mettre jazz, venir après, bon, peut-être que c'est ça. Mais si c'est pour ça, c'est chaque année que T-Vice besoin de mettre ça. Parce que de souvenir pas parce que j'aime jamais le long festival concert pour voir ça par la hélicoptère. Donc ça c'est Zambata Negyo, Negyo Yuzli et li bay résultat pour le bail là. On a qui dit T-Vice a vu sur playback, parlez sur qu'on est. T-Vice pas d'avion sur playback, T-Vice c'est un sequencer, pas un jazz qui t'a joué là qui pas de sequencer. Tout jazz net te gagne sequencer. Donc T-Vice c'est un sequencer qui qui est base là. Qui aime peut-être deux trois parties, mais basse a joué live, batterie a joué live, guitare a joué live, Rinaldo a joué live. Donc suspend parler, bagaille qui pas sens. On avance.
Après Tivaïs, nous prenons une équipe. N'a excusez moi si me pas attendre trop sous équipe là pour la simple raison que équipe coïncidait à moment que me t'al font pipi. On ça avait dit al faire pipi là espace ça au marché en pile et là arrivé devant toilette là gon ligne. Donc Tivaïs ça m'a attendre la oreille moi même pas t'ap vivre. Pas Tivaïs ça équipe là. Seul ça me gêta connait moi équipe pas jouer. Carnaval comme on s'y attendait peut-être. Et équipe joue pratiquement musique qui sous dernier album ni hein? Et puis naturellement moi Chaba utilisé de bail que les utiliser en pile même gentil va utiliser hélicoptère en pile me devait honnêtement pour consommateur comme hier hélicoptère fatigant même gens pour consommateur comme hier a fait Joe Biden avec un tel sort pipi toi nous tendez le trop il faut que Chaba pense à autre chose en termes d'animation il faut qu'il pense à autre chose personnellement c'est ça me pense OK. Et maintenant, nous avons été couverts pratiquement. Et toute respiration, 10 perfects font entrer. Si je suis basé sur le crime, je suis était bien accueilli. Mais je suis venu traverser. Et deux personnes disent que l'équipe est crasée en bateau. Donc l'équipe est une bonne prestation. Et l'équipe est arrivée l'humain du Féa, seule pas de jouer carnaval. Donc il y a beaucoup pour l'équipe qui de plus en plus a positionné. Tant qu'on maillon fort la chaîne musique la Kaila. OK. On continue. Et Gonzalo me dit que toutes médias font analyse de compétition, mais je ne sais pas comment parler de compétition là. Donc. Bah comment nous on dit hein? Là là font compte rendu de santé ouais. OK et kounyam kwè n'ap tombé lan kay. N'ap tombé lan kay moi-même personnellement. Puis pour Saint-Louis si m'tap ba yon jazz meilleure performance là c'est kay li tapi. Parce que la kay là nous joine toute bagaille. Non seulement la Kaila nous donne une excellente sonorisation, nous avons une performance intéressante en termes de playing de jazz. Là. C'est musique qui a joué. En termes de spectacle, c'était presque un sans faute. Tenue de scène également, choix couleur, qui a été jazz belle sur le podium. Là. Et puis, cohésion, synchronisation entre ce qui a passé sous scène avec écran, ou senti son bagage qui était répété avec minutie. Elle dit qu'il y a deux bagages Richard Abdil, pendant l'Abdil, elle écrit automatiquement des doules. Ça veut dire que ni n'a qui t'a fait écran, ni équipe Kaila, y'a des répétitions que vous faites ensemble. Donc, l'on regarde des prestations Kaila, ou senti son bagage qui répété, et ou senti c'est pour bagage qui répété là un jour, dans deux jours. Parce que Kay a préparé ça n'importe 3 ou 4 semaines à l'avance pour le bail Salvin bail. Donc Kay pratiquement créé une ambiance enragée. Richard avait prouvé dans prestation là encore une fois que il y a un pile hit dans répertoire. Danseuse yo en parfaite cohésion avec Richard. Richard entré avec un pile habilité là chorégraphie yo. Gon mariage qui a fait souvler entre batterie avec Smoke Machine. C'est peut-être une bataille qui est intéressante en termes de spectacle. Batterie a fait appel à beau Smoke Machine à répondre avec Richard et les danseurs au milieu et danseuses au milieu de tout ça. C'était carrément du grand art, un spectacle planifié et l'exécution était pas trop loin d'une certaine perfection. Donc en termes de spectacle, Richard Cavier était carrément au-dessus du lot. La seule faiblesse en ce qui me concerne pour la prestation de Richard Cavé, je ne pense pas que tu as besoin de jouer carnaval. Je ne pense pas que tu as besoin de jouer carnaval. Il faut que nous quittions carnaval côté lié à monsieur. Carnaval sont musique de circonstances que lié. Et comme c'est Mdadzo, ou après musique Saint-Valentin, Richie Tefera, c'est Saint-Valentin seulement au jouer, ou bien avant la Saint-Valentin. Son musique de circonstances. Les beaux sacs ont beauté faire première communion,
Son musique de circonstance, c'est la période fête comme il joue. L'on jazz fait musique maman, et la période maman il joue. Et c'est même genre l'on jazz fait musique Noël, et la période Noël il joue. Est-ce qu'on jazz Gavin pour être dans le festival là pour venir jouer le 24 décembre? Ou bien est-ce qu'on est Gavin dans le festival là pour jouer l'esprit de Noël? Et bien c'est même genre tout que festival pas carnaval. Donc il faut que nous comprenions la musique carnaval et ça, son musique de circonstance. Nous ne pouvons pas utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, côté que nous virons presque toute ambiance, même là, ça le fait, mais nous virons en carnaval. Et puis c'est comme si son constat de faiblesse que lié, c'est comme si nous montrer, nous voulons montrer que nous n'avons pas de capacité pour nous souquer une foule, c'est pas carnaval, nous jouer. Ça va être ça, monsieur. Elle garde Tabou Combo, elle garde DP Express, elle prend Jacoute dans ses beaux jours, époque la familia, bah qu'on est. Ou bien tu vas tout. Garçon ma combien, n'a pas rendu compte que il y a deux musiques qui sortent comme j'aime dans et pour le public à prendre du feu sans c'est pas carnaval qu'a joué. On va go tout n'est carnaval. Ça c'est peut-être le maillon faible pour moi en ce qui me concerne de la prestation de Kay, mais à partir bémol ça, j'étais extrêmement satisfait de la prestation de Kay. Je finis pour me dire que moi-même, l'an bilan pamna, ou bien l'an verdict pamna, moi catégorisé en trois en fin d'émission, m'a dit non. Quand on après Kay, est-ce que mon monde oublié? Est-ce que mon monde oublié? Nous allons tomber sous Zafem, si je ne me pas trompé. Nous allons tomber sous New Look avec classe. Moi, c'est bien que New Look avec classe, c'est peut-être les abonnés absents dans ce festival. New Look classe carrément pas à la hauteur de l'événement, s'il faut dire les choses comme elles sont. Et il n'y a pas trop d'éléments d'explication à ça, sincèrement. New Look là, t'es carrément passé totalement à côté. Classe, t'es meilleur passé New Look. Mais que là, ça n'a pas de bon tout en termes de réaction. Ce n'est pas seulement réaction, comme si il y a eu de l'indifférence au niveau du public, l'incapacité à faire bouger le public. Certes, au niveau de classe, il y a eu beaucoup plus de tentatives pour sauver la situation que New Look. Là, on a parlé de tous les deux ensemble, jusqu'à Pipo qui a fait mon lever téléphone, Jean de Baïsao, avec Pipo, comme si qui fait appel à lever de main à l'air, peut-être trop même. Classe, c'est un moment qui est un petit genre intéressant. En termes d'ambiance, c'est les classes tables, je m'appelle arrière. Le moment, ça, qu'est-ce que j'ai constaté? Moi, j'étais pratiquement à l'arrière. Nous voyons des nègres qui performent mieux, qui ont bien dansé, et puis classe table jouait bien tout dans le moment, ça. Mais après ça, c'était mon côté comme si, m'dadjo, que. Il était triste. Ça n'a pas parlé de classe, quand même. New Look, c'était pas loin de la catastrophe. C'est vrai que devant New Look, il y a deux ou trois fanatiques qui ont chanté, qui ont dit, qui ont dit. Mais New Look, je n'ai pas compris. Ali, depuis sa montée sur scène, c'était l'indifférence complète. Quand on voit un artiste monter sur scène, on dit, oui, il n'y a pas eu ça. Ali monter sur scène, non, mon yo just bien vague. Naturellement, je ne trouve pas Ali, moi-même personnellement, je ne sentais pas l'ampoule. Je trouvais que mon tonus, que l'habitude de gagner, mon enthousiasme, que l'habitude de gagner, elle est sur scène. Là, j'avais en face de moi un artiste qui donnait l'impression qu'il avait perdu ses repères. Il y a peut-être de bonnes explications à ça, peut-être qu'il sera le seul à pouvoir nous l'expliquer. C'est pour New Look qui t'a joué mal, mais pour une raison ou une autre, ça ne passait pas. Et même l'arrivée de Tony Mix sur scène n'a pas changé les donnes. C'est sûr qu'avec Tony Mix, il y a eu quelques euphories. Ça avait dit c'est évident que l'équipe New Look n'a pas pris l'image ça pour le montrer comme si là, mon taprelé, même j'ai l'équipe classe ça pour l'image, les pis pour faire lui mettre téléphone là pour montrer ça. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Dans l'ensemble, les deux plus grandes formations du compas sur ces 5 ou 10 dernières années, je dis bien les deux plus grandes formations du compas par rapport à l'histoire, par rapport à parcours et par rapport à débat qui a alimenté la société ça, sur ces 10 dernières années, sont passés totalement à côté de l'événement. C'est le cas de le dire, la montagne a accouché d'une souris, ils n'ont pas été à la hauteur de leur histoire et de leur réputation. C'est ça la vérité. Naturellement, comme je le dis, ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, c'est un détail qu'on jazz passé mal dans le festival. Ce n'est pas rien grave,
Je pense que tout simplement, ça qui passe, l'a mis en évidence ou réalité pour classe que nous votons à son urgence et que le public a besoin de l'autre bagaille dans la classe. Et puis, New Look également était sur un nuage depuis le Zénith, l'Olympia, il vient sous Boston, aime tout, pratiquement une traversée jonchée de victoires. OK? Avec une, et de réussite. Donc peut-être que New Look était trop confiant. Peut-être que New Look était un peu trop suffisant. Peut-être que New Look n'avait pas appréhendé cette situation à sa juste valeur. Il y a des explications. Donc, Ali, peut-être, on t'y a redescendu sous terre. Et ce n'est pas une mauvaise chose. L'autre, tu frappes ça, parce que, comme l'a si bien dit l'autre, victoire pas grand, elle peut te l'envoyer, sinon qu'on satisfaction personnelle. Mais les échecs, ça fortifie. Et les effets nous poussent justement à vouloir faire mieux. Il y a des leçons à tirer des échecs. Il n'y a pas beaucoup de leçons à tirer des victoires. Donc c'est comme ça pour nous comprendre. Donc ce bail qui passait, ce n'est pas la fin du monde. La preuve en est bien grande que le lendemain, le dimanche, classe AM3 avec musique, musique, c'était une belle fête. Et New Look également, c'était une superbe soirée, la Revolution Night, le dimanche soir. Donc ça a prêté une petite tâche, le papier qui a écrit l'histoire noire, que vous avez tous de échouer au cours de cette 26e édition, mais comme je vous le dis, ce n'est pas la fin du monde, ce sont des choses qui arrivent. Ok, donc, bon, par contre, si il y a un problème, ni pour classe, ni pour New Look, je dis ça moi. Donc, si il y a un problème, c'est pour Vindil, ou même qui est en bas live, là, pas parler de la cause, comme ça, parce que je ne vais pas expliquer le problème. Ok, donc, on avance après New Look, après classe. Les organisateurs de ce festival avaient fait tout un branle-bas. Ils se sont même servis de ça pour renforcer la publicité et la propagande autour de ce festival. Ce que personnellement, j'ai dénoncé parce que ça n'a rien d'extraordinaire que sur même scène, dans les logos, dans les affaires, dans les classes. Pas rien d'extraordinaire là ça. Mais au moment où c'est un bail spécial, toi, Jazzao, pour la première fois sur même scène, badati badata, bon, et business qu'a fait, c'est promotion qu'a fait. Donc, si tu as une compétition entre toi et Jazz Zayo, si tu as une compétition, si tu as un palais en pile, si c'est pour le festival, là, Zafem boit tous les deux. Si c'est pour le festival. Là. Parce que nous avons une compétition, donc m'obliger la gueule, j'en lier. Parce que moi, je ne sais pas quoi la compétition, c'est Zayo. Mais étant donné que nous avons fait parallèle, depuis que nous avons parlé, nous avons peut-être parallèle là. Donc, la parallèle là, c'est que Zafem était carrément au-dessus du lot dans le festival. Là. Donc nous en arrivons à Zafem. Zafem fait une rentrée sous scène que moi-même personnellement, tout le monde connaît ma première, parce que Zafem pratiquement reproduit ou bien dit, ça m'a dit depuis des mois, comme si nous n'avons pas qu'à quitter le moment ça va passer sans pas grand monde nous yon respect. Moi-même, moi demande respect pour Timano, pour Nemo Baptiste surtout. Naturellement, je me dis que l'autre qui a dit pour Master G, pour tout l'autre monde, mais je reconnais que j'ai un accent soutenu sur le dossier Timano avec Nemo Jean-Baptiste. Zafem a rendu tout le monde hommage dans le titan qui était parti là, mais Zafem a été plus loin que ça me demandait. Zafem, pratiquement, de manière bien planifiée, pour monter sous scène, lui pour rendre hommage pratiquement à des grands disparus de la musique haïtienne, et Zafem remonter jusqu'aux années 40. Première image qui passait devant dans Zafem, c'est le man Gazimi. Nous trouvons ça son bel coup. Zafem Banou Djotrouyo, Zafem Banou Raoul Guillaume, Zafem Banou Guy Durosier, Libanou Gérard Duperville, Libanou Nemo Jean-Baptiste. Belle bagaille. Il y a respect à Pigreyo. Donc il y avait tout un symbolisme dans la présentation de Zafem. Et l'entrée en matière de Zafem, tous les détails, tout détail ont été pris en considération. Zafem Bal ouvrit prestation là avec Machan Kassav.
Il fait de manière totalement dépouillée, sans pile instrument, avec quatre tambours sèches. Original tambour lakay, pas de djembe la dan ni bagay. Original tambour lakay. C'est pour ça que je vous dis que tous les détails sont pris en considération dans cette brève performance de Zafem. Donc Zafem va l'entrer avec Machin Kassav qui sont classiques du jazz des jeunes. Il est marié là avec une sorte de Yan Valo, cap de sous tambour en Ibo, je ne sais pas corriger, parce que je ne suis pas de bien, même j'ai l'impression que son Yan Valo, et dans ce qui t'a fait, j'ai l'impression que son Yan Valo. En dans ça le faire là, non seulement il parle de hommage au jazz des jeunes, il parle rend hommage à rite folklorique haïtien, ça l'a dansé, ça l'a joué. Il parle d'authenticité, comme si il parle monter, il parle montrer qui peut-être. Si gon étranger kap gade zafèm kap di ça son jazz haïtien. Ah c'est toute sa vonne sous scène. C'est haïtien. Moi me trouve que musicien zafèm yo en particulier Denier avec Original c'est des artistes qui libre. Et je pense que c'est ce qui fait leur force. Yo pas esclave public là. Yo pas ban redle rien pour yo. Yo pas ba le presse redle rien pour yo. Yo fait ça ou vle, yo fait ça ou quoi là dedans et laissez-moi vous dire que par définition c'est ça l'artiste. C'est la capacité à faire ça ou vle, à ça ou quoi là dedans et imposition de œuvre artistique indépendamment de ce que vous allez en penser. Parce que si ça fait me tenir compte de ça qui passe là la ria, ça fait me d'ab juste paraître là, pas qu'on est tombé jouer carnaval tout, même là il pas un carnaval ou bien te carité là bas cap marcher pour lui facile, c'est avec lui tout commencer ma boire patati patata. Donc le moment fort en termes de symbole, Zafem c'est peut-être jazz qui était plus traité, la symboliste si vous voulez 18 drapeaux. 18 mai. 18 mai c'est fête drapeau, ça veut dire c'est fête nous en tant que haïtien, mais c'est également la fête de l'authenticité haïtienne. Donc Zafem mettait tout aspect authentique ça. Il mettait en évidence là un bref passage qui pas duré 3 minutes. Et il faut avoir, permettez-moi l'expression, il faut avoir des couilles d'acier par rapport à cette presse, ou bien une certaine presse, et par rapport à ce public friand de sensations fortes, de dérangement, de gouillade et de polémique, il faut avoir des couilles d'acier pour monter son scène et puis pour ouvrir dans Befront Park devant quantité de monde pour ouvrir avec Machan Kassav du jazz des jeunes. Il faut avoir des couilles d'acier pour le faire. Et je pense qu'une fois de plus, Zafem continue à faire la leçon et ils ont fait la différence. Et public là, t'es aussi jamais médusé comme si il n'y a pas comprendre ce qui a passé. Il y a un peu de monde qui n'a pas comprendre jazz des jeunes qui ont joué. Ok? Donc, quand il y a là, Zafem va jouer à Boué. Bon, je ne vais pas dire rien de ça. Zafem joue à l'Alinac Soleil. Bonne exécution musicale. Réginal a donné une tenue de scène intéressant, comme d'habitude. Naboué a prouvé que son parole cap marché. Parce que, est-ce que je dis Naboué son slogan? Bon. Peut-être, je ne connais pas, même pas, je comprends ni tant qu'on slogan personnellement. Donc, son parole cap marché, son choral cap marché, du, red, red, net. Donc, comme c'était prévisible, bon, on est content, on est fêté, on est 10. Et puis, il a confirmé encore une fois que la lune à soleil là, peut-être que, et là, cela, son musique qui fait route. Li. Cette prestation également a confirmé la popularité de cette formation, l'attente autour de cette formation, et également l'amour du public pour cette formation musicale. Mais le moment fort de cette soirée pour moi a été l'entrée en matière. Donc on y a pour conclure tout ce que je viens de dire. Moi-même Festival Zam t'a bail 3 prix personnellement. C'est une tape entrée l'animation. On t'a bail Tiva Esprit. Suivi de équipe. Si nous apportons l'animation, jazz qui met animation, les mains du fendant, si nous ne faisons pas haute de valeur, nous avons dit Tivice, équipe.
et Kai et puis Wichel Guillaume. En termes d'animation, m'a parlé de animation euphorique. Donc moi-même, c'est T-Vice qui t'a pris ça pour animation pour bail. C'est m'a bail un prix pour spectacle. Exécution musicale. M'a bail Kylie. C'est m'a bail un prix global. C'est Kai m'a bail personnellement. Parce que en deux prestations Kai là, il réunit tout élément. Il était gain animation, il était gain chaleur, il était gain spectacle, il était gain musique. Donc c'est m'a bail un grand prix pour jazz c'est Kai m'a bail. Parce que lui pratiquement fait 7 à 8 sur 10 dans chaque grain catégorie. Et là ça en deuxième position, je vais mettre deuxième position. Et ça, ça m'a mis dans la tête. Voilà. Quand si je vais un prix pour thématique 18 mai à qui respecter, si je vais un prix pour innovation, nouvelle proposition, si je vais un prix pour création artistique, ouais, bien ça m'a dit création, créativité artistique. N'a bay zafem ni. Parce que zafem pat appuyer l'essentiellement sur écran comme élément de décor ou bien comme élément de spectacle. Zafem t'a appuyé sur tenue chaque grand musicien qu'on était sur stage là, il t'a appuyé sur habillement tambouyo. Il t'a appuyé le tout sous spectacle de danse que l'offria m'a prévenu une voix qui a une certaine authenticité. Donc en tant que haïtien personnellement d'après compenser ça fait mou ça. Si m'dagé pour choisir deux meilleurs en fonction de tout critère m'a partagé entre Zafem avec Kai. Et puis l'impact de Zafem sur la foule, nous avons pu le constater à la fin de ce festival. M'te la foule là, me filme le petit vidéo ça moi tout nèg ap lagel sur réseau mais on pas bon crédit non papa. OK. Nous sorti l'en foule que tout le monde t'a chanté ça fait. Donc grosso modo c'est ça ma lecture de ce festival. Pour moi ça a été un beau festival malgré les imperfections, malgré il y a eu beaucoup plus de haut que de bas. Je pense que toutes les formations musicales à partir de musique que moi, Omi, Class et New Look, je pense que toutes les formations musicales ont été à la hauteur de l'événement. La mauvaise nouvelle, c'est que Class et New Look sont passés à côté de cet événement, avec un bilan beaucoup plus catastrophique pour New Look que pour Class. Donc dans cette bataille rangée, dans ce trio, dans cette bataille entre les trois, ces trois figures du compas, New Look, Class et puis Zafem. Et mes Zafem pratiquement au-dessus du lot. Il y a eu beaucoup de personnes à faire le déplacement pour ce festival. Et je pense que si je me base sur les impressions que j'ai eues à la sortie du festival, moi, je me dis que le public est sorti satisfait. Nous déplorons l'absence de Diapot. Il semblerait que Diapot pas joué parce que dans l'heure où tu voulais mettre Diapot là, Diapot estime le patap bon pour lui. Moi, quelque part d'accord avec vous. Pour faire sortir son plaque, même lorsque son jazz cap paraît. Et là, quand on fait ce val à 3h-4h de l'après-midi, l'album où fait sortir, il n'est pas tellement avantageux en termes de marketing. Même là, c'est vrai que Jean-Fito Farine a dit, moun pral gade le sur réseau, moun pral 10, moun pral date. C'est vrai. Et personnellement, c'est mon manager qui apporte pour même d'avoir fait choix pour me jouer tout. Personnellement.